Quand on est dans le problème, pourquoi quand tu es, je sais pas, quand tu vas bien, pourquoi quand on est dans la difficulté, on dit ah Seigneur mon Dieu. Mm-hmm. Et quand tout va, limite, si on prie, pourquoi? Parce que nous sommes méchants, nous sommes hypocrites, d'accord, et profiteurs, mm-hmm, et voilà. Je veux savoir, ça va pareil, mais là je vois. On n'entend pas, au fond ils n'entendent pas, tu peux parler plus. Tout le monde ensemble, on se tient la main, on chante. Après 5 minutes après, dehors, c'est trop bas, je ne comprends pas. On partage la paix, la parole de Dieu. On est entre frères et sœurs. On dit que bon, on veut du bien pour son frère et sa sœur, que ça change. Qu'on a fait la pardonner, de retirer la rancune. Et après, je ne sais pas, 5 minutes après, dehors, ça part en vrille, on oublie tout. C'est comme s'il y a un lavage de cerveau. C'est comme si le malin est à côté, il dit, je m'en parle de toi, tu es venu louer la parole et dehors. On a déjà changement. Ok, je suis d'accord avec toi et tu sais ce que tu dis, c'est écrit. Hein. Le Seigneur a parlé d'une parabole là, de 4 terrains. Il dit que dans le premier terrain, la parole est semée tout au long du chemin et les oiseaux sont venus pour manger cette semence. Et c'est des gens qui entendent la parole. Hein, et puis l'ennemi vient, il l'enlève. Il y a beaucoup d'hypocrites dans le milieu évangélique, dans le milieu des chrétiens, dans la chrétienté. Énormément d'hypocrites. Et autre chose, peut-être même de tout ce monde-là, peut-être qu'il y a peut-être 10% seulement des gens qui sont sincères avec le Seigneur. Tu vois? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, qui vont vers le Seigneur pour diverses raisons. Il y en a qui y vont parce qu'ils aiment le Seigneur. Et ceux-là, on ne les entend pas forcément. Et d'autres, ils y vont comme les 10 lépreux. Il y en a 9 qui étaient guéris. 10 qui étaient guéris, il y en a un seul qui est revenu pour dire merci au Seigneur. Et donc il y en a qui viennent pour être guéris. D'autres viennent parce qu'ils ont trouvé des femmes, voilà, ou des hommes. Il y a plusieurs raisons. Maintenant, chacun doit savoir ce qu'il veut. D'accord. Voilà. Et j'ai une deuxième question. Hier, on a vu, il y a 10 minutes, on a vu une soeur qui était prise de mauvaise présence. Mm-hmm. Elle se dit libérée. Si après, elle a le sentiment d'être réhabitée par ce mauvais esprit, est-ce que quand l'esprit sort, il sort définitivement pour aller sur quelqu'un d'autre? Ou est-ce que le malin, il est toujours là pour réhabiter cette sœur? Très bonne question. On va prendre un passage dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, on lira à partir du verset... juste le verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus désormais, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus guérit cet homme qui était malade depuis 38 ans et il lui dit, tu as été guéri, ne pêche plus. Parce que si tu pêches, les esprits sont sortis, ils vont revenir et ta condition dernière sera pire que la première. Voilà. Donc là, la sœur a été délivrée, guérie. Donc, c'est pour ça que je pose des questions, est-ce qu'elle veut véritablement suivre le Seigneur ou pas? Parce que le démon est sorti, c'est sûr. Et maintenant, elle va pouvoir dormir tranquillement. Voilà. Mais c'est à elle maintenant de se dire, le démon est sorti, mais cette maison qui est restée vide doit être remplie par la parole du Seigneur. De sorte que ce démon-là, il va vouloir revenir. Et quand il va vouloir revenir, il va trouver que toutes les portes sont fermées. Voilà. C'est ce qu'elle doit faire. Et c'est pour cela que nous, quand on vient comme ça pour faire son travail, ceux qui sont les locaux que vous êtes doivent continuer le faire le reste, voyez, et notamment ceux qui prêchent, ceux qui sont chrétiens tout simplement, faire le suivi, l'encadrement des frères et sœurs, être à l'écoute et pas encore les blesser, les casser, parce que ça va être un travail inutile à chaque fois. Donc voilà. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni.